T'as ce qu'il faut. Salut tout le monde, j'ai découvert un youtubeur super sympa, il s'appelle Eric Flag, passez jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube. Abonne-toi. Tu m'as tagué dans la story? Oh, ça fait pas toi. Ah l'enculé, c'est de la magnésie piégée. T'attendais à ça, Eric Schlag. Salut. Alors pour la petite histoire, bah quand il a vu qu'il pouvait pas m'avoir, bah il a fini par se décourager, il a posé ses armes et il s'est barré. Ah là là. Bon, bah du coup, ça tombe bien, hein. Comme ça, moi, j'en profite pour te faire un petit tuto dans lequel tu vas pouvoir apprendre étape par étape, tout d'abord à faire un pont ou un backbridge, jusqu'à pouvoir faire des descentes et des remontées en pont, ce qui est plutôt cool. Et en plus, ça te permettra aussi comme ça à toi de faire des petites esquives comme dans Matrix. Voilà un petit peu comment le tuto va être structuré. Si tu cherches un passage en particulier, je te mets les marqueurs temporels dans la description. Alors tout d'abord, pourquoi faire des ponts? Contrairement aux muscles évidents et plutôt mainstream que les pompes, tractions et squats entraînent, le pont va renforcer des muscles beaucoup moins visibles, mais pourtant tellement importants, ceux de ta colonne vertébrale. Alors non, ils sont moins impressionnants à montrer à tes potes que tes pecs et tes bras. Mais crois-moi, ils sont certainement plus nécessaires à ta survie, ta santé et tes performances sportives en général. Tu vois, ton cerveau contrôle tout ton corps en envoyant des signaux qui descendent le long de ta moelle épinière qui se cache à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Mais si ta moelle est abîmée, ton cerveau, même s'il est en parfaite santé, ne pourra plus contrôler certaines parties de ton corps parce que le signal ne pourra plus passer. Plus tu l'abîmes en haut, plus tu réduiras les endroits que ton cerveau peut contrôler, ce qui explique que tu peux devenir paralysé sous un certain niveau quand tu abîmes ta colonne. Mais dis-moi, Eric Flag, comment je fais pour protéger ma colonne? Eh bah mec, c'est une très bonne question, effectivement, ça peut sembler important du coup. Faire le pont va principalement renforcer tes muscles érecteurs du rachis qui servent de première défense pour ta colonne vertébrale en cas d'accident. Mais ils servent aussi bah voilà, à tenir debout, à pivoter sur toi-même, etc., etc. Plus ils seront forts, meilleur tu seras dans à peu près n'importe quelle activité ou sport. Entraîner ton pont régulièrement t'apportera d'autres bienfaits non négligeables, comme par exemple améliorer ta posture ou réduire tes douleurs dans le bas du dos. Alors oui, respirer, boire, manger et dormir, c'est cool pour bien vivre, mais protéger ta colonne vertébrale, ça peut aussi avoir sa place dans ce genre de liste. En plus des muscles autour de ta colonne, tes bras, tes épaules et tes jambes seront correctement demandés lorsque tu progresses dans cet exo. Et en parallèle, tu vas étirer bien comme il faut toute une partie de l'avant de ton corps, notamment les genoux, les quadriceps, les fléchisseurs de la hanche, les abdos et les pecs. De bons exercices complémentaires au pont que je te recommande seraient ceux qui vont renforcer et étirer symétriquement les mêmes muscles. Pour faire ça, tu peux simplement te plier dans l'autre sens en faisant par exemple des L-sit ou des relevés de jambes assis. En street workout, l'amélioration de ton pont va se transférer pour plusieurs mouvements. Ça te permettra d'avoir un handstand plus droit, notamment grâce à une meilleure ouverture des épaules, et ça t'aidera beaucoup à obtenir un hollow back handstand pour des raisons assez évidentes. Ça va aussi renforcer tes quadriceps et t'aider à faire ce qu'on appelle des CC squats. Ça te servira aussi à faire le show en soirée la prochaine fois qu'un de tes potes lance un petit limbo familial. Pour les prérequis, tout d'abord, les deux principaux problèmes qui pourraient t'empêcher de faire un pont en dehors de la force sont probablement dus à ta souplesse. Notamment si tes fléchisseurs de hanches sont trop inflexibles, ça t'empêchera de les ouvrir et donc de les monter suffisamment. De même, le manque de flexibilité de tes latéraux et triceps peut t'empêcher de bien tendre les bras pour le pont. Si t'as un de ces problèmes, je te conseille de travailler sur ces points faibles au préalable ou en parallèle du pont. Tu trouveras facilement beaucoup de vidéos sur le sujet. Le pont va en demander pas mal à tes poignets et épaules, donc plus ils sont flexibles et mobiles, mieux c'est. Je te recommande aussi d'être à l'aise en handstand contre un mur, histoire d'être sûr que tes épaules tiennent et que t'aies l'habitude d'avoir la tête à l'envers. Si tu veux aller plus loin et varier ton entraînement de pont, tu peux t'attaquer à la version yoga du hollow back handstand qui ressemble un peu à ça et que tu peux rendre de plus en plus dur en t'éloignant du mur. Tu peux aussi habituer ton dos progressivement au sol en travaillant la posture du cobra. Attention quand même à pas t'entraîner à froid. Si t'es pas déjà chaud à la fin d'un entraînement, chauffe un peu tes épaules.
Tu peux le faire par exemple en tournant les bras, en les tournant avec une bande ou en faisant des pompes de scapula. Ensuite, chauffe bien tes poignets avec quelques étirements. Tu peux aussi faire des tout petits ponts tournés en descente contre un mur ou bien faire quelques répétitions ou secondes d'une progression que tu maîtrises déjà bien. Bon, maintenant qu'on est chaud, attaquons-nous aux progressions elles-mêmes. Étape numéro 1, le semi-pont. Tu commences dans cette position avec les jambes à largeur d'épaule ou un peu moins, les mains sur le ventre et tu pousses au maximum sur les jambes afin d'obtenir une ligne droite ou convexe des genoux jusqu'aux épaules. Je te conseille de commencer par viser 3 bonnes séries de 45 secondes avec une exécution parfaite avant de passer à l'étape supérieure. Étape numéro 2, le pont avec mains surélevées. Tu peux faire ça sur un banc ou sur ton lit, une hauteur plus ou moins élevée rendra l'exercice plus ou moins facile. Tu vas vouloir mettre tes mains à côté de ta tête, à largeur d'épaule ou un peu plus et les doigts vers l'avant, avant de pousser sur tes jambes et tes bras le plus possible. Pour cette étape, tu viseras 3 séries de 30 secondes. Étape numéro 3, le pont sur les mains et la tête. Alors ici, tu vas reprendre la position de l'étape précédente, mais cette fois au sol, et tu vas pousser juste assez pour pouvoir te reposer gentiment sur ta tête. À partir de cette étape, ça commence à devenir intéressant de plutôt faire des répétitions. Donc, tu vas vouloir pousser le plus haut possible avant de redescendre doucement sur ta tête. Ça, ça compte pour une répétition, et je te recommande d'atteindre 2 séries de 15 avant de passer à l'étape supérieure. Étape numéro 4, le pont. Alors l'exécution est toujours la même, sauf que cette fois, on pousse directement depuis le sol sans s'arrêter sur la tête. Le but, c'est de pousser tes hanches le plus haut possible et de tendre tes bras et tes jambes au maximum. Alors ne t'inquiète pas si t'arrives pas à les tendre dès le départ, c'est complètement normal, ça viendra progressivement avec le temps et l'entraînement. Attention, garde bien en tête que quand tu es en position de pont, même si c'est désagréable, il faut que tu continues à respirer normalement. Tu peux te travailler à le tenir sur la durée, 3 séries de 30 secondes, c'est déjà bien, mais à nouveau, je te recommande de le travailler en répétition, où attention, il va bien falloir t'allonger complètement au sol entre chacune d'entre elles, et donc un bon objectif à te fixer avant de passer à l'étape supérieure serait 2 fois 10 répétitions. Étape numéro 5, la descente en pont avec un mur. Tiens-toi debout, dos à un mur et à un bon bras de distance. Maintenant, penche-toi en arrière pour poser tes mains sur le mur et descendre gentiment. Plus tu fais des grands pas avec tes mains, plus c'est difficile et tu peux aussi avancer un petit peu tes pieds petit à petit pendant la descente si tu as besoin. Une fois que tu es tout en bas en pont, je te conseille de descendre complètement et de te relever pour enchaîner les répétitions comme ça. Tu vas vouloir atteindre 2 séries de 8 répétitions avant de passer à l'étape suivante. Étape numéro 6, la descente et remontée avec le mur. Tu l'auras deviné, c'est le même exercice qu'avant, sauf que cette fois, tu vas aussi vouloir remonter en t'aidant du mur une fois que tu seras arrivé tout en bas. Dès que tu arrives à faire 2 séries de 6 bonnes répétitions, je pense que tu es prêt pour la suite. Étape numéro 7, la descente en pont sans mur. Alors bon, c'est là que ça commence à devenir intéressant, mais c'est aussi à ce moment-là que ça commence à devenir effrayant. Pour faire ça, tiens-toi debout avec une bonne distance de libre derrière toi. Tu vas commencer par pousser tes hanches en avant de gentiment plier tes genoux et courber ta colonne. Pour mieux garder ton poids en avant et rester en équilibre, tu peux garder tes mains sur les hanches jusqu'à ce que tu puisses voir le sol derrière toi. Et là, tu vas rapidement ramener tes mains et te préparer au choc quand tu vas tomber dessus, histoire de ne pas te taper la tête. Alors c'est mieux si tu fais ça dans l'herbe, sur quelque chose d'assez mou ou que tu utilises un coussin pour t'assurer à la réception, mais fais attention à ce que tes mains ne puissent pas glisser quand tu les poses. Bien sûr, il va y avoir un peu d'appréhension aux premiers essais, mais t'inquiète pas, il y a plusieurs moyens pour réduire la peur et t'assister encore un peu. Tu peux toujours garder le mur à une distance qui te permettrait de t'y rattraper en cas de problème. Tu peux demander à quelqu'un de mettre ses mains sous ton dos histoire de te soutenir, ou tu peux encore descendre sur quelque chose de surélevé, par exemple des marches d'escalier, histoire de rendre l'exercice plus facile. Au début, tu vas très certainement simplement tomber sur tes mains. Mais à terme, un bon objectif, c'est de réussir à bien contrôler la descente afin de pouvoir gentiment te poser sur tes mains. Une fois que tu arrives à enchaîner 4 ou 5 descentes plus ou moins bien contrôlées à la suite, je pense que tu es prêt pour la dernière étape. L'étape numéro 8, la descente et remontée en pont. Honnêtement, une fois que tu sais descendre, tu as fait plus de la moitié du chemin parce que c'est la partie la plus difficile. Une fois descendu, tu vas vouloir gentiment tendre tes bras, plier tes jambes et partir en avant pour faire avancer ton centre de masse. Si tu es assez flexible et fort, tes mains décolleront toutes seules du sol et tu pourras remonter sans trop de problèmes. Alors au début, ça risque de pas être aussi facile que ça. Donc ce que tu peux faire, c'est te pousser avec les mains, histoire de partir en avant plus explosivement. Tu peux écarter les jambes et tourner les pieds vers l'extérieur pour plus de facilité et stabilité. Le but final, ce serait de réussir à le faire avec les pieds à largeur d'épaule et sans aucun élan. À partir de là, je te conseille de travailler jusqu'à 2 séries de 2 ou 3 bonnes répétitions, histoire d'être sûr de valider le mouvement et de pas le perdre. Pour aller plus loin, tu peux faire des séries de plus en plus longue bien entendu, mais tu peux aussi surélever tes pieds afin de descendre encore plus bas, et ça je peux te dire que c'est un bon challenge. Tu peux aussi commencer à lester tes pompes avec un gilet ou des poids si tu as envie de tester tes limites. Tu peux aussi décider de te satisfaire de ce super accomplissement et de l'utiliser pour te la péter de temps en temps à la piscine. Alors là je t'avoue que la piscine c'est pas trop la saison. Hein. On aborde maintenant rapidement la dernière partie de ce tuto sur la fréquence et le volume d'entraînement. Si tu t'entraînes déjà régulièrement,
je te propose de travailler ton pont à la fin de tes séances 2 à 4 fois par semaine. C'est là que tu feras les 3 séries de ta progression actuelle où tu essaieras soit de tenir le plus longtemps possible, soit de faire le maximum de répétitions. Tu peux aussi décider de travailler avec plus de volume et moins de fréquence en entraînant ton pont par exemple 1 à 2 fois par semaine, sauf que cette fois à chaque fois tu viseras 6 à 8 séries au total. Mais bien entendu comme toujours, tu peux moduler toi-même ton entraînement en fonction de tes préférences et objectifs. Comme n'importe quel étirement ou n'importe quel exercice, il va falloir être un peu consistant si tu veux voir des résultats. Donc c'est pas en t'entraînant 2 fois par mois que tu vas progresser très rapidement. Voilà voilà, on arrive au bout de ce tuto. Alors j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura donné envie de faire des ponts, surtout si ça t'avait jamais traversé l'esprit avant. Je compte faire d'autres tutos comme celui-ci sur ma chaîne, mais comme j'ai pas l'intention de faire 2 vidéos sur le même mouvement, à chaque fois ça va me prendre du temps de bien me préparer, de bien étudier ce qui a déjà été fait sur le sujet, afin d'être sûr de pouvoir proposer de la valeur ajoutée, et pas seulement une vidéo de plus à rajouter tout en bas de la liste. Mais tout ça, ça prend du temps, et donc je vais te demander d'être un peu patient. Bien entendu, ton soutien envers moi et ce que je propose sur ma chaîne est énormément apprécié, et donc si tu as envie de me l'exprimer, je te laisse utiliser les boutons et autres champs de texte que YouTube met à ta disposition sous la vidéo. Encore merci à Choubatoc et Mathias pour leur participation sur cette vidéo, et je te recommande vivement d'aller voir ce qu'ils font parce que ça vaut vraiment la peine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !